Oui, j'ai entendu le Québec-Canada, les 73-51, le Québec-Canada de Dundee 33 sur le sud-ouest de France. Dundee, Dundee, c'est bien ça, je pense que je connais ta voix. Pascal, 9-PV-226. Oh la vache! Putain la vache! Les 73-51 à toi Pascal, tu m'arrives à 58-59 là ici sur le canal 26. Eh bien, moi aussi, je te fais un gros câlin! Ah oui, ça passe bien, là! Ah oui, oui, tout à l'heure, avant ça, j'ai fait un test plus haut, hein, en m'écoutant, là, sur le Web SDR de Montréal-Laval, puis celui d'Ottawa. Là, je me suis entendu dedans. Bon, Gilles, 9 bravo Charlie 555, apparemment, il est absent, là, ce matin. Et, enfin, ce matin pour vous, je me suis dit, oh, il faut que j'aille sur le canal 26, il faut que j'aille voir ça. Et, ben oui, moi aussi, là, je suis vraiment super content de t'entendre. Hein. Hey, c'est excellent, excellent. Moi, tu me donnes un signal à 960, 960, 55, la module. Là. C'est excellent, excellent. Puis toi, il faut que je redescende un petit peu en plus. Il faut que je m'en aille à peu près là pour. Ah oui, quand même. Alors attends, donc là chez moi, là il est 14h, 14h05 même. Voilà, ouais, j'arrondis un peu. Il est 14h05 ici, donc 8h05 chez toi. Ouais, voilà ce que ça donne quoi. Oui monsieur, ça marche, mais là tu es le seul hein, que j'entende. Ah, je suis trois coups. Il n'y a que toi sur le QSO ou les copains sont là aussi, les copains cousins. Non, 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 il y a le barbu, c'est vous soutenir, puis il y a Coco qui est un peu plus loin, là. On est trop là, matin, sûr, certain. Fait que ça tente super plus. Ok, ben j'aimerais bien les entendre un petit peu aussi. J'ai entendu parler, mais j'ai rien compris. Je sais pas si c'était lui ou alors un Américain qui est passé. C'était une telle bouillie que j'ai rien compris. Ou alors il est en train de prendre son petit déjeuner et du coup il a la bouche pleine. Ah, zut. J'ai rien compris. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, compris. D'accord, ok, ça y est, toi, Pascal, j'arrive à te comprendre avec l'accent. Bon, moi, évidemment, j'ai l'accent du Sud-Ouest, hein, ou plutôt, je suis habitué à entendre les gens du Sud-Ouest. Et là, ça, avec l'accent québécois, très poussé, c'est vrai que toi, Pascal, tu articules bien. Mais après, l'autre station, c'est vrai que j'ai plus de mal. J'essaie d'enclencher le décodeur dans ma tête, mais il a du mal à s'enclencher, il a du mal à se mettre à chier trois coups. Parce que je me sens, je parle avec toi, il faut qu'on comprenne bien. Parce que non.
Il va falloir que j'apprenne le québécois. Ouais. Oh oui, monsieur. Il va falloir que je l'apprenne le québécois, là, pour arriver à suivre. Oui, ben j'imagine que dans la campagne, c'est vrai que là, ça doit être costaud, là, au niveau québécois. Hein. Là, ça doit être quelque chose, oui. Eh bien, j'ai pensé l'avoir puisqu'il a dit qu'il sera en fréquence à 7h, donc 13h pour moi. Et j'ai lancé plusieurs appels et tout. Au départ, la propag n'était pas du tout ouverte de ce côté-là. Puis, paf, d'un seul coup, je me suis entendu là sur les deux web SDR, Montréal et Ottawa. Et là, j'ai continué à l'appeler. Je lui ai laissé un message sur Messenger. Bon, apparemment, il est trop occupé là pour le moment, j'ai l'impression. Voyez. Oui, bon, ça y est, il y a beaucoup, beaucoup d'interférences. Ah, de mon côté, en tout cas, si, ça l'est. Hein. Waouh, en tout cas, sur Saint-Émilion, ça passe très fort. Je m'entends pas dans le web SDR. Alors j'ai en même temps en parallèle le web SDR de Montréal-Laval, que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et ça passe pas, et eux non plus arrivent pas à passer dedans. Oh, il y a du monde plus bas, je suis chez eux. ...58-57 sur le sud-ouest de France. Oh, pardon. Go, go, go! Ça marche bien! Ça marche, ça marche! Alors c'est du 55-58 là de mon côté, et je suis en train de faire une vidéo justement là dès que j'aurai fini là de m'amuser avec vous, dès que je couverturerai, je m'occuperai de la vidéo et je la partagerai en premier sur le groupe. Okay, yeah.
Go, go, go! Et moi qui gueule comme un âne. Trop content. C'est là-bas que je t'aurais déménagé. J'adore l'ambiance qu'il y a là-bas. T'as déjà vu des travailleurs aller travailler, toi? Je suis cibiste, je suis pas radioamateur. Avec tout le respect que j'ai pour les radioamateurs, attention. Pas de malentendu. Mais ma préférence va pour la CBI. Waouh! Oh la vache, j'ai monté à Saint-Égoneuf. Oh, je m'entends dans les voies baissières. Oh, ça a monté aussi là de ton côté. Là, oui, ouais, ouais, j'ai un retour là de moi, là, dans les voies baissières, là, de votre côté. Ça marche, ça passe, c'est bon ça. Go, go, go! Ah bah oui, j'entends ça, vu le retour que j'ai, parce que j'ai un petit haut-parleur à côté de moi, et je me suis entendu là-dedans, hein. Et j'ai deux WebSDR, j'ai le WebSDR de celui-là qui est sur Montréal-Laval, et l'autre qui est sur Ottawa, là, de connecter là, sur l'ordinateur, et tu verras ça au montage de la vidéo. Et ce qui fait que j'ai plus un petit haut-parleur Bluetooth là à côté là. Tu sais le petit haut-parleur pour écouter la musique depuis son téléphone, un truc comme ça. Bon ben j'ai ça de brancher à côté sur l'ordinateur. Et là j'ai le retour là du son directement. Attends voilà, je le montre devant la caméra. Ok voilà, j'ai le retour du son là directement dedans. Ouais. Et bien là c'est pareil, là je vais faire exactement pareil. Bon le troisième écran, l'écran d'ordinateur, j'ai démarré un petit peu en retard parce que j'étais un petit peu surpris quand j'étais entendu. Mais tu verras, il y aura aussi là les trois écrans là tout pareil. Ah, j'aurais dû brocher un striker. J'ai pas tout compris.
Ouais, ça marche. Go, go, go. Zut, j'aurais dû mettre la Stalker 20 qui est juste en dessous. Ah oui, c'était l'occasion là. Dessus, le petit décalage en fréquence, eh bien ça compte pas quoi. Vu que c'est en AM. Yes, monsieur, yes! Alors de la blagounette, parfois pour comprendre, faut s'accrocher au rideau et faire Tarzan avec. Ah, c'est normal, hein. Là, on est dans la vraie civile. Et qu'il en déplaise à certains, là on est tous cibistes. Hein. On se prend pas pour des radioamateurs. Quand on est radioamateur, pas de soucis. Et quand on se prend pour des radioamateurs et qu'on crache sur ceux qui sont en dessous, c'est pas top. Faut rester zen, faut rester cool. Et c'est ce qu'on fait là. Là, on se prend pas la tête. Il n'y a pas de fierté à avoir. Alors, petit clin d'œil à certains, j'en ai pas une plus grosse que le voisin. Je l'utilise, c'est tout. Alors, cette petite parenthèse, c'était par rapport à certains messages que j'ai pu voir de stations qui sont sur la CB et qui disent « Non, moi je fais pas de la CB. » Je fais de la radio et écrit en gros. Quoi. Faut redescendre de son pédestal, hein. Faut rester zen, faut rester cool. Faut pas chercher à écraser les autres. On est là pour se faire plaisir à papoter. Voilà tout. Faut pas chercher plus loin, faut papoter, en profiter, se faire plaisir. Il y a du monde, hein. Ça va quand même. Ouais.
Oh, ça marche bien. Ah oui, ça marche bien, ça m'arrive toujours plein pot de mon côté. Oh yeah, go, go, go! Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre. De mon côté, en tout cas, c'est du 50, ça navigue entre 55 et 59 au niveau signal. Ça passe, ça marche. Attends, j'ai un message de mon patron. Je reviens de suite. Zut. Alors, jeudi 19. Attends deux secondes, je suis en train de répondre à un SMS de mon patron. Je reviens de suite. Ok, de retour. Ouais, ça fait un peu le yo-yo là de mon côté. Ouais, ça y est, je lui ai répondu. Bon, je sais que là maintenant, je dis, j'ai une nuit de travail là qui vient de s'ajouter. C'est bon ça. Ça fait le yo-yo. Ça fait le yo-yo, c'est en train de baisser un petit peu pour le moment. Ou alors t'es en train de passer dans un tunnel. Hachis trois coups. Oh yeah, et ça fait des bulles. Thank you.
Bon, l'avantage en AM, eh bien, déjà, il n'y a pas de bruit. Par rapport à la FM, ça crie moins dans les oreilles, donc quand on a des problèmes d'acouphènes, l'AM est quand même mieux. Et par rapport à la BLU, ben, il n'y a pas besoin de clarifier. Moi, ça me va. Wow, 58-59. Et moi, je me suis entendu avec. Ouais, ça fait le yo-yo là, ça fait le yo-yo et j'ai un petit peu de mal par moment à comprendre. Parce que bah, justement, en plus, ça fait le yo-yo. Wow, c'est pas bon ça. Eh, Zut. Bon, attends, je lâche le micro, je cherche une connerie à dire. Oh la vache, 59, là c'est passé de mon côté. Zut, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh zut, j'ai fait un tour sur moi-même et ça fait comme le poisson qui fait le tour du bocal. J'ai zappé, j'ai écouté ce que tu m'as dit, mais j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais c'est rentré par une oreille, désolé, c'est sorti par l'autre. Oh, aïe, aïe. Oh, je suis fatigué, moi, là. Ah oui, quand même. Là, mais j'essaie de je m'accroche au rideau, j'ai fait le maximum d'efforts et tout hein, pour essayer de comprendre le québécois. Ah, SMS arrivé. Attends deux secondes. Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis pas obligé. Non, mais attends, il me demande d'aller travailler pour me dire que je suis pas obligé. Au secours. Attends, je réponds à mon patron. Oh, ça marche fort, go, go, go! Ah oui, ça, là, ça passait fort. Hein. Oh la vache! C'est passé comme, comment on dit? Un troupeau de bœufs? Un troupeau de bisons? Non, je sais plus. Ah, comment vous dites? Une tonne de briques. Voilà, c'est ça. Ok, ben tu vois, quand ça passe très fort, nous ici sur la 14, on dit ça passe comme un boulet de canon.
Voilà, c'est... Alors, j'espère que le boulet, il est pas trop lourd, parce que ça va faire mal, quoi, tellement que ça passe fort. Donc, j'arrête de déconner. On dit, effectivement, ça passe comme un boulet de canon, là, ici, sur la 14. Ouais, c'est ça, comme un boulet de canon, voilà comment on dit ici sur la 14. Il y a une tonne de briques, je trouve ça plus sympa, quoi. Il y a un petit côté amusant, parce que j'imagine la tonne de briques devant moi, quoi. La tonne de briques qui vient se poser sur le poste. Tu vois un petit peu le dessin animé que ça fait, quoi. Je vois vite fait. Ah, il est pas là. Ah, il a du boulot chez lui. En gros, il doit faire quelque chose. Ah, voilà. En gros, bon, il est en plein travaux chez lui. Et ce qu'il doit faire en ce moment, ça doit être terminé pour hier ou avant-hier. Autrement dit, il faut qu'il se bouge le cul. Wow. Oui, je suis allé voir là, juste là, quelques secondes sur le 625, la fréquence agile. S'il était là-haut, là, pour voir comme ça, tac. Non, il est en train de bosser là chez lui. Alors il a du boulot là chez lui en ce moment. Et ce qu'il doit faire là ces jours-ci, ça doit être fini pour hier ou avant-hier. Autrement dit, il va vraiment falloir qu'il se bouge le cul et qu'il avance chez lui là au niveau de ses travaux. Ah, chie trois coups. Aïe, aïe. SMS arrivé. Ah, j'ai de la moustache FM là qui vient de m'arriver de mon côté. Attends, je suis en train à nouveau de répondre à mon patron. Je tiens deux QSO là aujourd'hui là. Ok, voilà, ça y est, message envoyé. Oui, c'est ça, oui.
Tiens, mais... Vous voyez, en FM, quand ça passe mal, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Martiens débarquent! Là, je suis moustaché là, par de la FM. Je viens d'écouter la vite fait dans FM. Eh ben, je crois que les Martiens débarquent. Hein. J'ai vu comment ça parle, j'ai rien compris. Ouais. C'est assuré. Ouais. Bon, du coup, j'ai pas compris. T'as parlé de la Sibie en Europe. Je sais pas trop. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère la Sibie au Québec que la Sibie en Europe. Au Québec, vous êtes beaucoup plus cool là-bas. C'est vous prenez pas la tête, vous cherchez pas à savoir si un tel ou un tel en a une plus grosse. Je parle du poste. A une plus grosse Sibie que le voisin, vous en foutez, vous jactez dans la boîte et puis c'est tout. Quoi. Et vous avez bien raison. Quoi. Faut que je déménage. Oh oui monsieur, faut que je déménage. Ah, je suis trois coups. Et puis tout à l'heure, je me dis, il manque quelque chose. Ah! Voyez. Bon, d'accord, on voit pas le chapeau. Juste les bords. Là, ça veut dire que la propague est à fond. Là. Et quand ça fait les yo-yo... Zut, on voit ma main, quoi. Oh, zut. Wow, ça descend, ça descend. Ah non, je m'entends toujours dans les voix baisse. Si, si, ah non. Oh, ça fait le yo-yo. Ouais, ça fait le yo-yo. Ah la vache, j'ai de la FM qui me monte à Saint-Agonaf, là ici sur le canal 26. Hein. Ouais, j'en ai un qui est en train de faire ses essais, là. Il est venu spécialement sur le canal 26 pour faire ses essais et tout, ça, là. Il est content. C'est... Mais, de toute façon, je m'en fous, je vois que ça passe quand même, là, du côté Québec-Canada. Donc, je continue. J'ai l'impression que le QTH 9 et le QTH 14 sont en train de s'écarter là sur la planète. Ça passe plus petit, quoi. Hachi! Ah là, c'est un petit peu compliqué là quand même de mon côté. J'ai beau faire un maximum d'efforts, mais là c'est un peu compliqué là. C'est la propague a fait le yo-yo, là c'est en train de baisser un petit peu. Mais bon, je sais bien que ce sera pour mieux remonter tout à l'heure.
Bon. Ah. Oh, il n'y a pas d'espérance, là j'ai une connerie en tête. T'es en train de parler de ta première expérience avec une YL. Voilà, on veut tout savoir. Ah, ça passe plus. Ah, là, ça passe plus. Là, je m'entends plus non plus de l'autre côté. Si, ça passe encore un petit peu. Je vois une traînée là sur le WebSDR de... Ah, c'est lequel celui-là de gauche, Montréal-Laval. Ah si, je vois encore une traînée là de moi là-dessus. Si, ça passe, ça va, ça vient, ça revient. Ah, c'est bon ça. Alors, 15h45 passé ici, 15h45 ici, on va dire. Donc 8h45 chez eux. Oh yeah, go. C'est bon ça. Oui, ça fait le yo-yo là, j'ai un petit peu de mal. Hein. Bon, là, l'autre martien en FM, il est parti, ça va, je suis à nouveau tranquille. Mais là, c'est un petit peu de mal, ça fait le yo-yo. Ouais, j'étais en train de regarder l'heure, et ouais, il est 9h15 chez vous. Hein. Et il va prendre son petit déjeuner. Ah, il a fait la grasse matinée ce matin, l'OM. L'autre station, il a fait la grasse matinée ce matin. Remarque, je dis ça, mais moi ce matin, j'ai débauché à 7h. Bon, le temps d'arriver, ceci, cela, à midi debout. Dormir, c'est une perte de temps, quoi. On peut faire autre chose à la place de dormir. Hachi!
Alors on cuira comme ça. C'est qu'on ait souci d'acouphène, un truc comme ça. C'est vrai qu'un... Parmi les différents filtres, le filtre DSP est quand même pas mal. Là, on entend parler, je vais le couper. Voilà. Là, on a vu la différence. Et alors de mon côté sur... Je suis sur cette position, je suis sur la 5. Là je suis au maximum. Ça étrangle vraiment trop là. Alors faut pas se fier à la position auquel je le mets. Hein. C'est à adapter après à chacun. Alors ce filtre DSP, c'est le NEM 1031, il y a une nouvelle version qui est sortie hein, depuis hein, quand même, car il n'est pas tout jeune, c'est un BHI. Oui, à côté de Saint-Émilion, sud-ouest France, voilà le sud-ouest France, département de la Gironde, comme repère tu as Bordeaux. Ouais, voilà, et après, quand tu es à Bordeaux, tu suis la route des ivrognes et tu tombes à Saint-Émilion, et moi je suis pas loin, je suis à 10 km de Saint-Émilion, je suis trois coups. Pour bien m'entendre, ton antenne verticale, tu la tournes de mon côté, et là tu m'entendras mieux. Hachi de coups. Alors dans la blagounette, une antenne verticale, tu la tournes, ben tu la dévisses. Du coup, j'ai parlé en même temps. Bon, il y a un blanc. Il est pas là le frangin. Il travaille le frangin. Alors qui a dit qu'on pouvait pas faire des DX sur les 40 canaux? Même mieux que ça, là, c'est du grand local. Très grand local. Alors, 0,85. Ah. Ah oui, je regrette de ne pas avoir branché la Striker. Enfin, elle est branchée. J'ai juste l'antenne, le cap d'antenne à dévisser du DK pour le mettre plus bas.
Et la caméra, par contre, là, il faut que j'attrape le pied. Que voici. Le mettre en place et tout. Bon, c'est pas la mer à boire, hein, loin de là. Hein. Mais c'est que là, je suis trop bien dans le QSO. Et du coup, j'ai la flemme de faire le changement. Bon, par contre, je suis en train de voir l'heure. Oh, c'est vrai, j'ai une réunion ce soir. Tout à l'heure. Ouais, faut que je passe en QRT. Le temps de travailler la vidéo. J'entends parler sur le WebSDR. Sur les deux WebSDR, je sais pas lequel. Ah, c'était Ottawa apparemment. Sur la droite. Bon, Pascal, va falloir que je passe en QRT. Ouais, Pascal, je sais pas si tu m'entends, j'espère ne surmoduler personne. Je vais être obligé de passer en QRT, là j'ai autre chose là, qui va m'arriver là tout à l'heure. Donc les 73-51 tout le Québec. Voilà, d'Indy 33. Putain, je cherche mon QRZ moi. Ouai, aïe, aïe. C'est la fatigue. Ou la vieillesse. Ah, j'ai trois coups. Putain, non, je suis encore trop jeune pour ça, moi. Les 73-51 à vous. Je vous laisse jaser entre vous. Toi, je commence à parler québécois, là. Je vous laisse jaser entre vous. À la prochaine. Ça s'en va. Ouais, ça s'en va.